Donc salut les mobords, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2 de la préparation des carters. Donc là, j'ai scotché l'intérieur des carters. Donc voilà. Ici et à l'extérieur. Pour pas que les roulements aient de la limaille. Donc ça c'est ok, c'est fait. Donc les deux côtés. Donc après je vais fraiser avec une grosse fraise pour le début. Voilà. Et avec la perceuse. Donc pourquoi prendre la perceuse dès le début? Vous allez me dire c'est bourrin. Peut-être, mais quand il y a autant de matière à enlever dès le début, il faut une grosse fraise. Si je fais avec les petites fraises de la Dremel, je m'en sortirai jamais. Donc je vais creuser le plus gros, enlever le plus gros ici, et après je vais prendre les petites fraises pour fignoler, pour faire finir et faire propre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, je prends ça. Pour les centrer. Voilà, là je vais pas serrer, c'est juste pour tenir le tout assemblé. Donc voilà, ça c'est fait. Ok, j'en mets pas plus. Donc voilà, une fois les carters assemblés, je pousse ça maintenant. Donc là, je vais essayer ce que je voulais faire, ça serait les fraiser. Ouais, je vais les mettre dans l'étau. Je vais les installer dans l'étau, comme ça je vais pouvoir fraiser dedans. Ouais. Donc j'installe tout ça, on se reprend tout à l'heure. Donc voilà, les carters sont prêts à être usinés. Donc là j'ai mis deux petites plaques de bois et j'ai juste bloqué pour voir là que ça tienne. Donc j'ai pas forcé dessus. Donc maintenant je prends la visseuse, donc elle est réglée sur vitesse maximale et sur percée. Donc allez, c'est parti. Donc là, il n'y a plus qu'à respecter. Thank you.
voyez comme ça creuser. Donc voilà, on dégrossit pour le moment. Voilà, c'est de l'alu quand même très tendre et qui a l'air quand même un petit peu poreux, donc on va faire attention. Donc voilà, je vérifie bien. Ça serait quand de percer. Donc voilà, je vais continuer à dégrossir encore. Donc voilà, pour le moment, un travail vraiment grossier. Donc voilà où on a où j'ai tout creusé. Mais on voit vraiment les bulles de porosité, donc de l'alu de très mauvaise qualité. Donc une fois dégrossi comme ça, déjà c'est pas mal. Donc franchement, ça creuse vachement vite avec une fraise comme ça. Donc là, je vais faire de l'autre côté, donc je vais l'inverser. Et après, on fera avec ça, cette petite machine là, la fraiseuse. Donc là, hop, on va pivoter et on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est pareil, donc je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini de faire de ça de l'autre côté. Donc là, voilà, le deuxième transfert, c'est bon. Donc là déjà j'ai bien bien creusé. Donc après ça va assez rapidement. Voilà. Après il reste encore du boulot à finir. Mais là je vais pas plus se recreuser vu que après je vais plus finir en finition avec ma caisse de Dremel. Enfin de petite fraiseuse. Donc voilà, je vais faire ça. Ouais, c'est quand même du boulot, et puis il faut s'assurer de ne pas percer vu que c'est poreux, donc aussi ça aide pas trop. Il faut laisser pas mal de marge parce que si on a un petit trou là qui vient réussir à alimenter le dehors, et c'est bon, c'est prise d'air, c'est mort. Donc voilà, donc là je vais faire avec la petite fraise, je prépare tout ça, et puis à tout à l'heure. Donc là, voilà, je suis passé à la toute petite fraise. Voilà, là je vais enlever sur 4, on va bien voir. Bon voilà, je vais finir avec ça et on se reprend quand ça sera fini. Donc là voilà, c'est dégrossi, donc j'ai fini avec ça. Voilà, là c'est bien creusé. Il y a eu quelques petites marques où j'ai un petit peu dérapé, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais finir avec les petits trucs à poncer comme ça là. Ça. Pour finir de faire propre, et ça va finir de tout me creuser comme il faut. Donc je vais finir avec ça, et ce côté sera terminé. Donc voilà, mais bon, c'est délicat quand même à faire. Faut faire gaffe. Mais bon,
Voilà, bah, je vais faire. Bah, je vais vous le mettre ici. Hop, en direct. Là, donc là, voilà le résultat déjà. Donc franchement, ça a très bien pensé, nickel. Bon, ça fait quand même une petite bosse ici, j'aurais pu plus retravailler, mais bon. Pour une première préparation, j'ai pas trop envie de trop taper dedans. Et vu que ce sera que un carbu de 15, donc déjà, vu que ça, les transferts sont libérés. Ça suffira assez. Là, ça sera mettre un petit coup de papier. Après, il y aura le à refaire le plan de joint, nickel chrome. Donc après, ça sera vraiment la finition au détail. Mais là, déjà grossièrement, rapidement, voilà, j'ai pas mis. Oh, je vais vous dire. Ok. 14 h, j'ai commencé à 1 h 30. Allez, grand max. En une demi-heure, voilà, j'ai fait déjà, j'ai creusé ici et j'ai mis ça déjà propre, donc c'était rapide. Donc voilà, après j'aurai beaucoup de finition pour voilà, casser tout ça. Ça sera tout à la main. Donc je vais faire ça de l'autre côté. Et après, une fois que tous les deux côtés seront faits, on pourra mieux voir et on fera à la main. Donc voilà. Bon voilà, là j'ai fini le deuxième. Donc je trouve quand même que j'ai beaucoup mieux réussi le deuxième que le premier. Donc le premier, je vais essayer de rattraper ça. Ça fait plus dégueulasse que le deuxième. Donc on voit les trous, un petit peu de porosité. Donc là c'est bon, je suis aligné. Donc je retouche un petit peu plus le deuxième pour être sûr. Donc voilà. Donc déjà, on va la vue. Ah ouais, ça y a creusé. Là, il y a épais. Hein. Oh là là. Plus tout ce qui reste un petit peu dedans. Bon, voilà, je vais finir ça. Après, ça sera le grand nettoyage. Puis wali walou. Donc là, je vais essayer de finir, mieux finir le deuxième. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, j'ai mieux rattrapé le transfert, donc j'ai enlevé la bosse. Donc voilà, bon, il y a encore des petits coups de petites fraises, mais qui sont plus profonds, donc ça fait chier, mais bon, pas grave.
Donc sinon, partout, c'est bon, ok. Il reste plus qu'à passer un bon coup sur le marbre. Sur la plaque de verre, moi plutôt. Mais voilà, un bon coup pour bien que le plan de joint soit parfait, qu'il n'y ait pas de bavure. Et voilà, après, il ne restera plus que l'intérieur des carters à préparer. Et ça sera bon. Donc là, je vais m'installer pour passer le marbre. Et c'est parti. Donc là, voilà. Ma plaque, donc c'est une plaque de verre. Donc j'ai mis mon papier dessus que j'ai bien scotché pour pas qu'il bouge. Donc là, j'ai mes carters qui sont bien fermés pour qu'ils soient bien à fleur des deux côtés. Et donc là, maintenant, je vais faire ça. Et donc le principe, c'est de le bien le poser. Bien le poser à plat. Bien prendre son temps et nettoyer régulièrement le papier. Sinon, ça fait une surépaisseur et ça va vous faire décaler. Pas se précipiter. Donc là, voilà, le plan de joint est fait, donc c'est nickel. Donc là, à part où j'avais dérapé, mais heureusement je suis pas sorti en dehors, sinon là ça aurait fait une putain de prise d'air. Donc voilà, malheureusement j'ai dérapé, mais c'est pas facile. Donc heureusement ça n'a pas été trop loin. Donc là c'est bon. Et après sinon le reste c'est parfait. Donc là j'ai un plan de joint parfait. Nickel chrome. Donc là maintenant je vais démonter, je vais préparer un petit peu l'intérieur. Et après, il n'y aura plus que le nettoyage et l'assemblage. Donc là, je vais finir de préparer les carters. Et la prochaine vidéo, ce sera l'assemblage. Donc allez, c'est parti, je me prépare. Donc là, voilà, c'est bon, les carters sont prêts. Donc là, voilà, on voit l'usinage. Bon, on voit un petit peu encore les petits coups de fraise, mais bon. Voilà. Sinon en général ouais, c'est quand même, je suis content de moi pour une première fois, c'est propre. Donc là il me restera cette petite marche à faire sauter et je vais juste un petit peu ouvrir à ce niveau-là, ici, mais je vais pas toucher là. Donc là ça va ouvrir un petit peu ici, ouvrir un petit peu ici. Ouais, voilà, donc ça. Ici, ok. Donc sinon, les transferts, ça va en général, ils sont propres quand même. Bon, voilà. Mais ça, je vais ouvrir à ces deux niveaux-là. Et puis après, il n'y aura plus que le nettoyage à faire, et ça sera ok. Oh, et bien, une bonne journée. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai cassé l'angle ici. J'ai un petit peu cassé ici, ouvert un petit peu, mais putain c'est super délicat en plus, je sais pas comment pour l'attacher correctement. Donc c'est super compliqué. Donc voilà, là je vais faire de l'autre côté. Et essayer de trouver quelque chose pour mieux attacher, pour mieux finir. Donc voilà, on se reprend tout à l'heure. Donc là voilà, c'est bon, ça c'est cassé. Ici, c'est
ouvert un petit peu. Donc voilà. Donc accès direct au transfert. Donc voilà. Franchement, mais c'est pas facile. Hein. Le jeu est vraiment ledge. Donc avec une fraiseuse, c'est très très difficile. Mais bon, on y arrive. Il faut prendre son temps. Donc voilà, pour une première préparation, voilà, je suis content. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, je pense que ça devrait bien tourner. Il n'y a pas de raison. Donc là, voilà. Je vais souffler ça. Enlever les scotch. Nettoyer, je vous montre quand tout sera propre. Allez, c'est parti. Donc là, voilà le résultat final. Une fois bien tout nettoyé. Donc, tout propre. Donc, j'ai passé un bon coup de soufflet. J'ai enlevé les scotch. Et dedans, il n'y avait rien dans les roulements. Donc, parfait. C'est nickel. Donc, voilà. Là, j'ai nettoyé à l'essence. Tout propre. Donc, franchement, je suis content quand même de ma petite préparation. Première fois que je prépare des carters. J'avais touché un petit peu ceux de. J'avais travaillé un petit peu de ceux de motobécane, mais ils étaient différents. Et j'avais pas agrandi les transferts latéraux. Donc j'avais ouvert au niveau de l'admission sur un BK. Donc c'était plus facile quand même que là sur 103. Là c'est plus délicat pour voir le niveau admission et les ouvrir les transferts. Donc ça a été un petit peu plus délicat. Mais bon, je trouve que je me suis bien débrouillé. Pour une première 63, donc voilà, parfait. Donc là, j'ai tout bien nettoyé. J'ai bien nettoyé mon plan de travail pour pas qu'il reste une seule bout de limaille. Parce que là, franchement, je fais au détail au plus propre possible pour pas que voilà qu'il y ait de saleté qui entre dans le moteur parce que c'est ça qui cause beaucoup de serrage. De casse moteur, donc les pieds c'est pas donné non plus. Autant faire très attention et perdre une heure à tout bien nettoyer que bâcler ça. Donc voilà, ben, fin de la première partie au niveau préparation. Donc la prochaine partie ça va être assemblage du bas moteur. Et puis voilà, donc ben, à très bientôt les mobeurs, et puis salut!